Clap, clap. Oh, c'est original, une manière originale de dire bonjour. Et c'est reparti, on est à Saint-Jean, quartier un peu oublié de Villeurbanne, grosse banlieue lyonnaise. On va retrouver quelques jeunes filles avec qui on a pris rendez-vous, avec qui on va discuter de tout et de rien, de leurs préoccupations, si elles en ont. T'es prêt, mon Seb? Ben oui. On y va? Tu rates rien? Salut les filles. Salut. Mesdemoiselles. Alors, quoi de neuf dans ce quartier de Saint-Jean? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce quartier, là? Bah, qu'il est cool, que les habitants, bah, ils sont soudés entre eux. Et ça veut dire quoi, soudés entre eux? Et on est une famille, on est unis. C'est important? C'est important. En plus, c'est une île ici, donc du coup... C'est une île? C'est une île. Raconte. On est entre nous, enfermés entre nous, il n'y a pas de gens extérieurs forcément qui viennent ou qui partent. On est sociable entre nous. On n'aime pas trop les étrangers ici. Voilà. Pourquoi? On aime bien. Je sais pas. On n'aime pas se mélanger. Nos parents, ils ont grandi ensemble. Nous, on a grandi ensemble et nos enfants, ils grandiront ensemble. L'école, qu'est-ce que ça vous inspire, l'école? Mon avenir. Non, ça ne sert pas du tout. En fait, j'aime pas l'école, mais je sais que c'est important. Qu'est-ce qui est important? Bah, en fait, d'avoir des diplômes, c'est important pour pouvoir travailler plus tard. Parce que sinon, ouais, c'est vrai, on va galérer, on va être au chômage, pas d'argent. Mais... c'est bon, il y en a marre. Ça saoule au bout d'un moment. Comment vous l'envisagez, l'avenir? Ah, l'avenir, ah ben, continuer l'école. Non. Ah bon? Bah si, non, pour avoir le plus de diplômes et après je travaillerai. Non, moi déjà, je veux mettre mon permis. Je veux avoir mon permis. Ah, mais ça, j'aimerais c'est avoir mon permis ça, c'est avant d'avoir mes diplômes. Moi, je ferais passer l'auto-école en fait avant l'école. Et pour en revenir à l'école, est-ce que vous avez le sentiment que l'école, c'est une clé pour faire des choix? Arrête, tout dépend, à l'école, t'es allé où? Parce que souvent, nous, quand on a grandi dans des quartiers, on n'est pas souvent accepté dans toutes les écoles, en fait. Donc, c'est ça qui est dommage. Oui, c'est vrai. Ils nous font de la discrimination. Parce qu'on habite dans des quartiers, parce qu'on est allé dans des écoles pas forcément bien fréquentées ou pas forcément bien réputées. Malgré ce qu'on a dans notre dossier, ben, par rapport à ça, on n'est pas accepté ou on est mal vu. Ou bien on va être pris, mais à des conditions. C'est ça. Quel genre de conditions? Genre, on va nous avoir à l'œil et tout. On a des capacités, même si on n'a pas les diplômes, on a les capacités. Quand on veut, on peut. Donc, si je veux travailler, bah, je peux travailler.